Amour sucré. Elle court la vidéo, la forêt, les bois perdus. Salut à tous, c'est André Vélion, aujourd'hui pour un tout nouvel épisode de Amour le second. Non, attendez. Abba Oulvou. Dans Abba Oulvou. Et la dernière fois, je sais plus ce qu'on avait passé, c'était hier. On continue. Mara, la directrice de. Il vient de passer et m'informer que tu es en train de draguer avec un casier. Un casier avec lui. Je draguais. Ouais, salut ton pseudo, alors que c'est la première fois que je fais quelque chose. Oui, j'ai été surprise mardi. Qui sait de le trouver mêlé à ça? Et on est punis toutes les deux. Oui, c'est ta faute. J'ai pris trop de temps avec tes amis dans son casier. Je me suis fait griller. Dame sur moi. T'es... Je t'avais dit que c'était quand même une mauvaise idée de faire ça. Oh ça, me fais pas la morale, hein. C'était tentant, j'ai juste pas eu de la chance. J'ai juste été au mauvais endroit au même moment, mais je le ferai. Je le ferai si je peux. C'est tentant, mais oui. Bon, c'est pas très grave. Tu es puni en quoi alors? Je vais essayer des tags dans la cage d'escalier après les cours. Je fais ça avec quoi d'ailleurs? Oh. Je vais m'occuper de préparer un seau avec du produit et une éponge. Arrête de voir quand on jeûne, ça fait du bruit. Connard. Avec un seau et une éponge, je les laisserai en salle des délégués pour que je puisse les récupérer quand tu seras prêt. Alors, tu n'as qu'à passer vérifier du temps en temps. D'accord, merci. Regarde, je parle, je reviens. Et pas de trouver les produits en salle des délégués, c'est pas prêt. Mais tu verras, avec le premier, ça ne devrait pas prendre trop longtemps à de tout nettoyer. Ok. Bah c'est là. Je récupérais ce qu'il fallait pour nettoyer le tag. Et c'est bientôt la fin des cours. Je n'ai plus qu'à attendre lui pour aller le nettoyer. Attends. Je rentre chez moi, demain. À demain. Tiens, qu'est-ce qu'il y a? Lui récupère ses affaires dans son casier avant de partir, lui aussi. Bien, et il part pas trop tard si tu veux pas rester coincé ici pour la nuit. Il est parti. Mara, bon courage, j'espère que tu rentreras pas trop tard chez toi. Merci. J'entends du rire. C'est Mara. Oh non, pas elle. Oh mince. Elle m'a juste lancé un sourire narquois en partant. Tu te prépares, Charlotte. Et Charlotte. Je ne vois pas Lee. Point, point, point. Elle va me faire attendre longtemps comme ça. Elle est sûrement partie en douce. C'est toi. Dis donc, mais qu'est-ce que tu fais? Je t'attends dans la cage d'escalier depuis tout à l'heure. Tu pensais partir peut-être? Mais non, je t'attends ici, moi. Bon, tu as de quoi nettoyer. Suis-moi, on se retourne dans les escaliers tout au fond du couloir. On se retourne. Suivre lui. Non, nous ne se retrouvons pas. C'est trop du pouvoir. Continue à suivre, lui. Je passe sur moi pour nettoyer, hein. Je te laisse faire. J'avais compris. Qui t'a gagné un couloir 2. Ça m'a pris pas mal de temps et tout, d'où ce tag. J'ai cliqué une fois. Vous vous rendez compte de l'effort? C'est tellement épuisant. Ça m'a pris même pas une demi-seconde. Ça va aller. Franchement, je pense que c'était. Non, tout le monde est parti. Il fait nuit, ben donc. Il s'est fait faire nuit très vite. Hein. En un clic. Il faut que je me dépêche de retrouver Lee et de rentrer chez moi. Pourquoi tu dis comme ça, Lee? Pour aller où l'autre là? Mais elle est partie se fourrer où? Dans le cage d'escalier peut-être. Qu'est-ce qu'elle fait dans le cage d'escalier? Je sais pas. Mais qu'est-ce que tu fiches? Bah 5 minutes et tu disparais. Ouah, mais t'allais plus, au moins elle était là le temps que je nettoie. Bon, t'as fini, c'est bon. On peut rentrer chez nous. Oh, cela peut être allé plus vite si tu avais aidé, hein. Je dis ça, je dis rien. C'est moi, le fantôme de Nala. On a entendu un bruit étrange, une espèce de rire en écho. C'est quoi ce bruit? Je sais pas ce que c'est flippant. Ah, un peu, oui, mais ils m'ont
T'essayes de me faire une blague, c'est ça? Tu crois vraiment que... Suite. Trop noir. Qu'est-ce que c'est que ça? On dirait une ombre. Un fantôme. Oh, bien fait, Mara, je lui ai fait peur, j'avais mis un drap sur ma tête. J'ai pas de tête. Lui et moi sommes rentrés chez nous. Ah, vite à la lumière. Est-ce que c'était vraiment un fantôme? Voilà une nouvelle journée qui commence. 1, 2, 3. Alors, comme ça, on a peur des fantômes. Vous en racontez que vous avez entendu un bruit, vous êtes parti en courant comme une fillette. La honte. Hello, flippé autant que moi, si ce n'est plus. À d'autres trouillardes, comme si le lycée était hanté, n'importe quoi. Point. Luxe, j'ai. Elle aurait pu se taire plutôt que de raconter n'importe quoi. Mais c'est vrai que c'était un peu flippant. Mais les fantômes, ça ne doit pas exister, enfin je crois. Je vais vous faire un tour là-bas. Voir si je trouve quelque chose. Il est genre, il a peur des fantômes, il me voit toute la journée. Et en plus, c'est le seul à me voir. Donc, il exagère un peu, hein, espèce d'abruti là. Donc, tu dois retourner là où il y a le fantôme. C'est le fantôme. Un fantôme dans l'école. Quelle drôle d'idée. C'est un peu bizarre, je trouve. Je veux finir par passer pour une folle à demander à tout le monde. Mais on va rien demander. Ouais. Et lui. T'es même pas coulant ce qui m'est arrivé. T'as un trou à retrouver ici. Mais quel boule. T'es un épisode dans le tal. Bon, tu comptes me dire ta grande nouvelle ou pas? C'est ça, cache l'escalier avec lui et on avait un fantôme. T'as pas une petite idée? J'ai un fantôme. Ah, t'en as donné comme ça. C'est facile. On avait fini de nettoyer les tags gris, ça arrivait. On est parti en coulant. Ah. Mais c'est vrai que tu faisais un cache d'escalier après les cours, j'avais oublié. Oui, ça te dit quelque chose? Tu as déjà vu les choses bizarres là-bas? De l'escalier, mais... Maintenant que tu le dis... Oui. Excusez-moi, je bois. Non, tu n'as pas le droit de boire. Je me souviens d'une rumeur comme quoi, il y a quelques années, un prof est mort en glissant dans les escaliers et depuis, il est sérieux. Tadada, sérieux? Mais t'es vraiment bête des fois, bien sûr que non, les fantômes ça existe pas, fillette. J'en sais rien, mais il y avait bien quelque chose dans l'escalier. Comment tu expliques que j'ai vu? Moi, j'en sais rien, comment tu expliques que j'ai vu? T'as rêvé, c'est tout, laisse tomber maintenant. Je vais te trouver des preuves. Si c'est pas un fantôme, il y avait au moins quelqu'un là-bas, tu verras. Non mais sérieusement, te donne pas autant de mal, on s'en fiche, hein. Tu veux vraiment chercher? Oui, je reviens te voir dès que j'ai quelque chose. Que t'es têtu. Fermez la discussion. Là, c'est pas le jardinier. La cage d'escalier. Non, mais... Mais qu'est-ce que j'ai à elle? Tu vois qu'il y a un fantôme dans le lycée? Bah, je vois quelque chose de bizarre. Je ne crois pas trop aux fantômes, personnellement. T'es sûr qu'il n'y avait personne? Un veilleur de nuit, peut-être? Il y a un veilleur de nuit dans le lycée. Non, bah ça n'existe pas, mais en lui, c'est au cas où s'il y a quelqu'un qui veut voler la banque dans le lycée. Non, je crois pas, mais ça me paraît être une solution plus rapide. Dans le collège. Oui, peut-être. Dans le collège, hein. Ok. J'ai jamais vu un collège. Et toi, t'as un truc à dire? Non, il est pas là. Il y a quelqu'un là-dedans. Oh, mais ah bah. Qu'est-ce qu'il fout là? Bah, il change de place. Non, Daniel, il m'est arrivé un truc sur le visage hier soir. Hier soir? Bah oui, je nettoyais les tags après les cours, tu sais. Ah, c'est vrai que tu étais ici après les cours. Et qu'est-ce que tu as vu là? Eh ben oui, j'étais là avec lui, tu sais bien pourquoi, c'est tout bizarre. Devine, ça va pas? T'as l'air bizarre. Non, non, c'est rien. Qu'est-ce que tu as vu alors? Un fantôme. Un fantôme? Il y a les mimosas ici en même temps. J'ai lu, hein. Non. Tu sais, j'ai mis un fantôme, tu as dit. Tous. Arrêtez, bordel. J'en ai marre de me faire dénigrer, là. Ton baiser est lent. La couleur, enfin, je sais pas si
tête d'un fantôme, mais on avait une ombre humaine à paraître. Oui, comme un cri, et une grande ombre est apparue. Ouais, c'est tout le flippant. On était avec lui, on était au lit avec un cachet de cellier, prêt à repartir. Et là, et on a entendu du bruit. D'un coup, on a vu une ombre et on est parti en courant. Vous avez dû vous faire des idées, à mon avis. Non, bien sûr, il y avait un fantôme. Je vais mener ma petite enquête, d'ailleurs. On n'a pas pu se faire des idées à deux. Je vais mener ma petite enquête, d'ailleurs. Je pense pas, je vais mener ma petite enquête, d'ailleurs. Dans tous les cas, elle mène son enquête. Très détective. Il va mourir, d'accord, ça. Ça sert à rien, non? Et laisse tomber, c'est pas très grave. Je te crois, si tu veux. Non, je vais savoir maintenant. Et il a tout tenu, le coup-là. Bon, ok, comme tu veux. Il n'a pas l'air, ça l'air. Il a un cancer, c'est ça? C'est pas en son plan. Oh, des petits vêtements. Mais arrête, c'est de la tique. Des cigarettes. Des sous-vêtements, non mais... Des sous-vêtements. J'ai bien su. Non, regarde ce que j'ai trouvé. Donc ta petite enquête, donc quelque chose. Oui, regarde, j'ai trouvé ça. Mais des sous-vêtements et des mégots. Des plastiques et des mégots. Je ne trouve absolument rien. Mais il avait bien quelqu'un. Tu te rends pas compte. Il n'y a pas un veilleur de nuit dans le lycée. Et dans le collège, il est sérieux. Que cette idée. Il n'y a jamais eu de personne la nuit. Pas de veilleur, regarde. Bon, je vais continuer à mener ma petite enquête. Je n'ai donc pas pu apparaître par magie. Tu ne laisses pas tomber. Tu vois bien que tu ne trouves rien. Non, je vais attendre ce soir. Aller voir si il se passe quelque chose de nouveau. Alors, t'as fini par trouver Casper? Oui, il est sous les yeux. Pas tout à fait, mais regarde ce que j'ai trouvé. Waouh, des sous-vêtements et des mégots. Waouh, du plastique et des mégots. T'as raison, tout s'explique maintenant. Bah, ça n'y était pas hier. Et alors, les fantômes, ça pue, mais ça mange du plastique et ça? T'as un truc que moi, oui. Il y a bien quelqu'un qui a dû fumer là. Ok, quelqu'un a fumé. Et alors, à part le rapporter à notre cher délégué principal, tu vas faire quoi? Tu vois bien que tu trouves pas de preuves de quoi que ce soit. Je vais attendre ce soir, je vais bien si quelque chose sur le produit. Laisse tomber, ou viens pas te plaindre après si tu te fais bouffer par un fantôme. Fermez la discussion. C'est agressif. Comment on fait pour avoir le soir? Il pense à qui l'a dit. T'as encore en train de puiner? T'es pas le mieux, fermez la discussion. Encore il m'a poursuivi. T'es harceleur. Quel harcèlement. Il va me suivre dans le couloir, vas-y. Non, quand même pas, il rentre pas à l'intérieur des bâtiments. Pas le monde. Tout le monde est parti. Enfin, je ne suis pas sûr. J'ai fait qu'il n'y a plus personne avant de retourner là-bas pour être sûr. Nathaniel. Nathaniel. Mais qu'est-ce que tu fais? Regarde ici. Je suis à Toulouse. J'avais de la paperasse à faire et encore. Et toi, qu'est-ce que tu fais là? Tu sais, t'es la mienne. Je vois le 6 qui s'est passé l'autre jour sur le produit. Ok, bon, ben, j'y vais alors. Oh, à demain. Oui, à demain. Mais viens avec moi, c'est tout abruti. Bon, me revoilà. Avec ma race, ta boutique. En y repensant bien, que ce soit Nathaniel ou Castel, ils étaient vraiment bizarres quand j'avais parlé tout à l'heure de tout ça. Moi, encore ce bruit. Oh, j'ai quand même la trouille, et en plus, je suis tout seul. Partir encore, mais. Namara, espèce de débile! T'es pas capable de tenir en place plus de 2 secondes! Pourquoi est-ce que t'as pu fuir? J'ai fini par détaler comme on l'a parlé hier, j'ai un peu honte. Voir si je retrouve quelque chose qui traîne là-bas aujourd'hui encore. C'est abruti, Mara. Je sais pas si les fantômes existent vraiment, mais s'il y en a vraiment un ici, je serais mort de trouille. Ah ouais, si. Oh, qu'est-ce que c'est ça? Un bloc-notes, un morceau de plastique triangle. Les fantômes mangent bien du plastique, pardon. Il est encore apparu! J'hallucine, t'es encore allé traîner dans le lycée après les cours? Oui, je l'ai vu encore! Qu'est-ce que tu voulais? Ça m'étonnerait que tu aies vu quoi que ce soit. En fait, je me suis en coulant avant de voir quoi que ce soit, mais je l'ai entendu!
Je te sais, j'ai entendu le même bloc que l'autre jour. Et comment tu sais que ce que j'ai pas pu, que ce que j'ai pu voir ou pas? Dis pas moi. Parce que je te dis que tu t'es fait flipper toute seule encore, c'est tout. Non, 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 c'est le que non. Mais il montre qu'il est pas, non. Regarde ce que j'ai trouvé. Hé, mon médiateur. Ton quoi? Tu sais pas ce que c'est? Un accessoire de guitare. Ouais, allez, rends-le-moi. Minute. Et il était dans la cage d'escalier, et avec un calme aussi. C'est toi qui squatte le sol? Bien sûr que non, je vois pas de quoi tu parles. J'ai dû le perdre depuis le début de la journée. Ouais, je vais le garder. De quoi il retourne même. Je vais faire une pizza à faire parce que j'ai pas fini mon enquête. Un calepin avec des mots écrits dedans, je suis sûr. J'ai un peu plus sûr que ce n'est pas un fantôme. Mais alors, qu'est-ce quoi que le lycée le soir? Je suis à peu près sûr que ce n'est pas un fantôme. Bah, à ton avis, le fantôme il écrit. Elise, tu as raison, j'en suis sûre et certaine, il n'y a pas de fantôme. Mais elle est bel et bien une personne qui squatte ici la nuit. Vraiment? Qui ça? Je ne sais pas, mais j'ai prévu d'y retourner une dernière fois aujourd'hui avec un appareil photo. Oui. Voilà. Tu me raconteras? Je suis curieuse de savoir. Oui, d'accord. Il y a vraiment quelque chose de bizarre avec cette histoire. Oh, je peux voir Nathaniel et Castiel en train de discuter au fond du couloir. Ils sont trop loin pour que j'entende. Ils ne se disputent même pas. C'est sûr, ils me cachent quelque chose. Ils sont repartis chacun de leur côté. Comment je vais faire pour être sûr de piéger ce fantôme? Je sais, je vais acheter un appareil photo. Comme ça, j'arriverai à prendre ce côté en photo. Ce soir, c'est la bonne. Encore plus d'argent dépensé. Allez, la vie. Non, mon appart. Mon appart. Puis la ville, puis le magasin. Combien? C'est trop cher, j'ai plus d'argent! Je suis pauvre. Je vais devoir sortir la carte bleue. Voilà. Ça y est, je suis arrivé. Je suis armé de mon appareil photo. Et tout le monde est parti. Tiens, sur la cage d'escalier, cette fois. Ainsi, interdiction de fuir. Pas un bruit. Mais j'aurais pas un téléphone portable. Maintenant que... Toi, je sais pas. Maintenant que j'ai de quoi attraper le squatter sur le vif, il ne se passe plus rien. J'entends du bruit. Ne fuis pas, un peu de courage. Donc voilà, vite une photo, utilisez l'appareil photo. Hé, hey, qu'est-ce que tu fais? Je sais pas, la fuite. Tiens, oh non. Team Nathaniel. Pourquoi est-ce que c'est marqué Team Nathaniel? Parce que t'as plus de points avec Nathaniel qu'avec Estiel. Du coup, t'es Team Nathaniel, je suis dégoûtée. D'accord, mais il est. Nathaniel, il est nul. Ah, j'ai mal aux yeux. Nathaniel! Nathaniel! Qu'est-ce que tu fais là? C'est vrai, fantôme! Pas vraiment, plus de points avec Link. Je me doutais que tu n'en démarrerais pas. Et que tu viendrais encore ce soir. Alors, je vais tout expliquer. Suite. Il y a une salle sous l'escalier, un peu comme une cave. Castiel et un ami à lui s'en servent pour répéter leur musique après les cours. C'est eux que tu as entendu le soir. Il n'y a pas un club de musique dans le lycée? Si, mais ils ne sont pas libres de faire ce qu'ils veulent, penses-tu? Je vois. Et toi, tu fais de la musique avec eux? Non, moi je me suis retrouvée impliquée là-dedans quand Castiel a volé les clés. Si on se fait prendre, on risque de gros ennuis tous les deux. C'est pour ça qu'on veut absolument garder ça secret. Suite. Vu que tu n'arrêtais pas de fumer, on se demandait si on ne devrait pas simplement te mettre au courant. C'est de ça qu'on parlait dans le couloir. Tu ne diras rien, hein? Non, non, bien sûr que non. Génial. Bien, je vais te présenter à Lisandre. Suite. Yes! Non, écoutez, des fois j'ai des problèmes mentaux, moi. J'ai des problèmes mentaux. Ne n'oubliez pas. Je suis Daniel, derrière la cage d'escalier. Si... Il y a une porte avec des escaliers qui descendent dans la salle en bas. Et toute vide, il m'a présenté ce fameux Lisandre. On voit l'illustration de fin. Regardez, il est binocle. Il a un œil de la couleur différente. Il est quoi? Binocle. Il a les yeux verrons, il est pas fille. C'est pareil. Allez, je suis trop intelligent pour toi, de toute façon. C'est moi qui lis. Oui, c'est toi qui fais ça, moi. Bonjour, ravi de te rencontrer. Salut, moi de même, je m'appelle Mala. Mala. Mala.
Toutes mes excuses aussi. Je crois bien que c'est moi qui vous ai fait peur avec son ami l'autre soir. Oh, pas de problème. Et puis, c'est pas le nom, mon ami. En plus, elle a eu plus peur que moi, je crois. Ha ha ha. Il a un look assez spécial, ce garçon. On a continué à discuter un peu. Et c'est comme ça que j'ai su que les morceaux de plastique étaient les restes d'un boîtier de scellé. Le mégot, ce castiel qui fume de temps en temps. Le médiator est aussi à lui. Pour finir, le bloc-notes est à Lisandre. Il écrit dessus ses idées pour ses chansons. Je lui ai rendu avec le médiator. Suite. Je suis assez content d'avoir enfin fait la lumière sur toute cette affaire. Même si j'ai acheté un appareil photo pourri en finale. Et que je ne pourrais rien dire à Iris ou à Ambre et ses copines. On s'en moque de toute façon, elles sont des grosses... Pit, pit, pit. Il était beau celui-là. Retrouve l'appareil photo dans ta commode et décore ta chambre avec si tu le souhaites. Sweet. C'est pas tout ça, mais il se fait assez tard. Si je ne me dépêche pas de rentrer, ma mère va me tuer. J'ai pas de mère, elle est morte. Enfin, c'est moi sa mère. Quoi? Sweet. Je suis la mère de Marat, tu sais pas? Le mère. La mère. Attends, je préfère te raccompagner. Il fait déjà nuit, enfin, si tu veux bien. Merci. On a marché dans la nuit jusque chez moi, en discutant un peu de notre petit secret. Ce serait assez amusant si les élèves pensaient vraiment qu'il y avait un fantôme dans les locaux. Voir l'illustration de fin. Il m'a tenu la main pendant le trajet, mais comme c'est un garçon plutôt attentionné, je ne sais pas si ça voulait dire grand-chose pour lui. Fin de l'épisode 4. Non, en vrai... Alors, histoire, elle était très bien. L'illustration était très bien. L'épisode, ça serait encore trop cher. Bon, avec ton crush, il n'y en a pas eu. Il n'y a pas de crush. Et performance du jeu, apparemment, mon PC est trop nul. Moi, je veux savoir. Tu vas pécho qui? C'est mon objectif de l'année. Comment ça, l'épisode? Les débuts de Charlotte. Ah non, c'est ça le dernier épisode que j'ai fait. J'ai jamais été au-delà de cet épisode. C'est pour ça que j'ai. Non mais c'est pour ça que dans le dernier épisode j'ai fait une référence à ça, à Sherlock Holmes là et à Détective Sucré, parce que je me souvenais de ça en fait. Mais du coup c'est un autre truc en fait. Alors le plot twist, le plot de l'épisode. Quelqu'un a volé le double de clé de la salle des profs et a volé un document important. C'est des photos pas très légales, juste pour les adultes, comme dirait le Père Noël. C'en est bien, moi, le Père Noël. Nathaniel est sur le point d'être renvoyé de ses fonctions de délégué principal. Mène l'enquête pour trouver quel élève est derrière tout ça. Mais c'est facile, c'est vraiment. Alors, j'espère que cet épisode vous a plu. Si vous voulez faire un like, commentaire, vous avez pas déjà fait. Sinon, il y a Insta, Twitter, Discord en description. Dans un prochain live, dans une prochaine vidéo, c'était moi. Mon téléphone. Et bien, tout le monde.